Bonsoir à tous, bonsoir, welcome, bienvenue, hello tout le monde, bienvenue, welcome sur le live, salut à tous, salut, bonjour, bonjour à tous, bonsoir, bonsoir à toi, Thibaut, salut à toi, écossais, salut à toi, JL Evander, salut à toi, Monster Bussy, salut à toi, Fuxo, salut à toi, Anthony Marthe, bonsoir à toi, Anto, bonsoir, Boule, bonsoir, Corbot, bonsoir à toi, DJ, Quentin, bonsoir à toi, Juju, bonsoir, Julien, bonsoir à toi, Loïc, bonsoir, Mathieu, bonsoir, Enzo, bonsoir à toi, Sans Blaze, bonsoir à toi, Sensei. Mais du coup, si t'as pas de Blaze, Sans Blaze, est-ce qu'il faut que je dise bonsoir? C'est la question. Bonsoir à toi, Théo, les deux Théo, bonsoir à vous, bonsoir à toi, Triloxo, bonsoir à toi, Young, bonsoir, Yam, bonsoir à tous ceux qui sont sur le live. Bonsoir à tous ceux qui sont pas encore sur ce chat, bonsoir à tous les viewers de l'ombre, je pense à vous, salut à tous, welcome et bonsoir à ceux qui regarderont, je vais y arriver, le replay sur la chaîne secondaire MXWay et replay, salut à tous, bienvenue sur le live, salut, salut, yo Athé, yo Orioz, salut, Nirigal, salut, salut, Redwood, salut, salut, hello, ça fait content, hein, vous êtes au taquet ce soir, ça fait plaisir, salut à tous, salut, j'ai une grande nouvelle pour vous. J'ai une grande, grande nouvelle pour vous. Déjà, on va augmenter le bitrate de ça. Voilà, hop. Pour envoyer plus, pour, faudrait que je change la config, mais j'ai eu la flemme. Déjà, on est en 1080. Normalement, si j'ai pas fait de conneries, il y a la qualité. Oui, 1080p source. Et bientôt, on aura le 1080p 60 FPS. Parce que ça y est, MXWay a encore investi. Il a encore cassé l'argent. Il a encore pris l'argent des abonnés. Et il a changé de processeur, enfin j'ai commandé, j'ai passé commande, je l'ai pas encore reçu, normalement je le reçois samedi. Du coup je suis content parce que j'en avais marre, je faisais mon montage tout à l'heure et j'en avais marre que mon processeur il soit à bout de souffle, en mode 100% tout le temps. Du coup je me dis bon on va changer, mon processeur c'est un vieux pour ceux qui connaissent, i7-6700, même pas un quart rien, juste 6700 qui date de 2015. Donc déjà pour que j'ai tenu jusqu'en 2021 avec un vieux processeur comme ça, c'est déjà ouf. J'ai changé ma carte graphique il y a pas mal de... Il n'y a pas trop longtemps. J'ai une 1080, j'ai pas une carte graphique de fou, mais ça suffit. Enfin, du MXS, on est clair que ça suffit. Eh bien oui, MXS Sanctuaire, c'est clair. Si tu fais des prédictions que t'as fait... 90, c'est égal à 5180. Bah on pourra faire des prédictions ce soir, faut voir si Fuxo est chaud, mais oui. Mais du coup, ouais, j'ai changé un petit processeur. Normalement, je devrais l'avoir vendredi. Donc vous devrez voir sur le live de mercredi prochain, à coup sûr. Pour que ça pêche un peu plus, et normalement je devrais tenir le 1080fps, je devrais tourner un MX Simulator en beaucoup meilleure résolution, parce que autant vous dire que j'ai fait un petit benchmark entre celui que j'ai à voir et celui que j'ai, je vais vous montrer ça vite fait pour ceux que ça intéresse. J'aime bien utiliser moi ce site de benchmark qui est User Benchmark, je sais pas trop si c'est révélateur, mais j'aime bien. Alors moi j'ai un i7-6700, ah, j'ai lui, bien pourri. Ouais, les Ryzen 5 sont bien, j'ai hésité longtemps avec AMD à prendre le AMD Ryzen 5 5600 qui est grosso modo équivalent au 10700 sauf que déjà il coûte plus cher et surtout il est introuvable, il est juste hyper dur à trouver, l'AMD ils ont des ruptures de stock de partout. Je me suis pas fait chier, je vais au moins je reste sur une valeur sûre, Intel, ça marche très bien, au moins je serai pas déçu. Parce que impossible de trouver un prix raisonnable, donc voilà. Et moi celui que j'ai actuellement c'est le i7-6700. Et autant vous dire que je vais gagner plus 30% en performance, que je vais gagner plus 45% au niveau de l'utilisation des corps, donc pour les montages ça va être top. Je vais pouvoir plus overclocker, forcément le mien n'était pas overclockable, donc je vais pouvoir plus l'overclocker. Je vais gagner de la performance de partout. Et ça va être tellement mieux. Ouais, j'en ai pour 620€ parce que, bien sûr, quand vous changez un processeur, faut changer la carte mère. Tu peux pas juste changer le processeur, démonter le petit truc, changer, hop, et remonter le nouveau. Non, non, faut changer toute la carte mère, ça veut dire ouvrir tout le PC, tout démonter du PC, tout sortir et être bien. Bah, Julien, je te laisse me faire un virement de 200€, 300€ peut-être, pour avoir un i9. Attendez. Je prends le DLC, mais peu importe, hein. Je veux juste voir la différence de prix. Informatique, pièce, processeur. La différence entre un i9 et un i7, entre celui que j'ai pris et Intel. Alors, i7 et i9. Alors, moi j'ai pris du coup lui là. Bon, je vais pas payer ce prix là, mais c'est lui. Et autant vous dire que l'équivalent chez.
en i9, ça serait lui qui a 150 euros de plus. Donc je te laisse me faire un virement, Julien, pour la différence de 150 euros. Même plus, parce que j'ai payé 359, non, 200 euros. Je te laisse me... T'as mon PayPal juste en dessous. Tu me fais un petit virement de 200 euros et je prends un i9, il n'y a pas de souci. Tu le vends combien ton i7? Je sais pas, faut que... je vais le revendre. Je vais revendre le i7 plus la carte mère. Parce que forcément, comme je disais, quand tu changes de processeur, faut changer la carte mère parce que c'est plus compatible. Surtout que moi, elle avait 50 générations. C'était super vieux. Donc, à voir. Mais si Fuxo t'es intéressé, de toute façon, je sais même plus. De toute façon, un i7, actuellement, je vais vendre ça 200-250 euros le tout, quoi. Ouais, j'ai regardé l'internet, mais il y avait trop de délais. Je l'avais dans une semaine et demie, je crois, mon processeur, fin de semaine prochaine. Et j'ai pas envie d'attendre. Donc, j'ai préféré prendre. J'ai pris sur Tapacha. J'ai payé. Mais ouais, j'ai regardé sur l'internet, c'était les moins chers. Intel i9, ils sont à combien les i9? C'est lui le dernier, non? Je sais pas. Mais tu vois, il est pas, ils sont même pas dispo. Ouais, mais les Ryzen 7, ils coûtent combien les Ryzen 7? Je veux bien, mais... Comment t'écris Ryzen déjà? Ouais, c'est comme ça. J'ai cru voir un prix. Ryzen 9, 9. Ah, oh, je sais même pas. Et si je fais un benchmark avec le Ryzen 7? Mais il est moins bien. Le Ryzen 7 est moins bien. Donc je suis mieux avec ce que j'ai pris. Hein. Oui, bah, franchement, AMD, Intel, il n'y a pas une énorme différence entre les deux. C'est juste que le rapport qui a été pris en ce moment est meilleur avec Intel. Et Ryzen, ils sont en rupture de stock de partout. Donc c'est impossible à trouver. Et du coup, comme carte mère, j'ai pris la classique, la MSI 490, je crois que c'est ça. Ouais, voilà. J'ai pris celle-là, le classique, quoi, celle que tout le monde prend, la MSI MPG Z490 Gaming Edge Wi-Fi. Voilà. Ryzen, tu me dis Ryzen. Ryzen 7 3070X. Bah, il est moins bien que mon Intel. Hein. Mon Intel est mieux. Hein. J'ai plus de performance en jeu, plus de faire performance sur la bureautique. Tout est mieux hein, sur mon Intel. Après, oui, ça dépend ce que tu cherches, mais moi je fais du stream, du montage et tout. Ah, c'est ce que j'ai, le R7 3770X. Alexis, tu peux sub, s'il te plaît? Merci. Mais non, mais je suis content de ce que j'ai fait, je changerai pas, de toute façon, toujours la commande est passée, donc voilà. Mais j'ai longtemps, j'ai regardé tout cet après-midi, en fait, entre Intel et AMD, ce que je pouvais prendre, et je voulais que Intel, il est bien, quoi. Je sais pas s'ils sont beaucoup plus puissants les Intel 9 en plus. Puis pour ce que je fais, faut pas abuser non plus. Hein. Intel 9, c'est un peu démesuré quoi. Ouais, le Intel 9 a un moins bon score parce qu'en rapport qualité-prix, il est moins bon. Tu payes genre carrément plus cher pour pas beaucoup de performance en plus. Parce que t'as 1% de FPS en plus. Pour te dire, hein, t'as un i9. Hein. T'as 3% de plus en computing. Ouais, par contre, en workstation, il est bien, quoi. Pour tout ce qui est montage, c'est pas mal, le i9, quand même. Mais les meneurs peuvent sub, Alexis. Hein. C'est juste que tu me demandes de jouer, donc moi, je te demande de sub, c'est tout. Hein. C'est donnant-donnant. En monocœur, Intel est violent. Bah, surtout que... MX Simulator est monocore, donc. D'ailleurs, il passe en 64 bits en ce moment, ce qu'il disait. C'est-à-dire que MX Simulator va passer multicœur. Ça pourrait être ouf. Ça pourrait être ouf.
J'ai une 1080 en carte graphique, Thibaut. Le classique de il y a quelques années. Mais ça marche bien. Je joue bientôt, on discute un peu, puis après je vais lancer. Ouais, mais il coûte combien le. Je veux bien, mais je voulais pas y mettre trop cher non plus, hein. Je sais même pas, on le trouve pas. Je voulais pas y mettre trop cher. Déjà, j'y ai mis 600 euros. Ça fait déjà mon cul. J'ai essayé de changer juste le processeur, mais c'était impossible. Clairement, que ma carte mère qui est trop vieille, ça servait à rien. Donc, autant partir là-dessus, quoi. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. I9, ouais. Ce serait quoi le PC de mes rêves? J'ai pas de PC de mes rêves. Mais le PC que j'ai me suffit largement. J'arrive à tout faire tourner, à être tranquille sur tous les jeux. Je joue pas des jeux de fou non plus, donc c'est rien que j'ai une machine de guerre pour stream du 4K machin. C'est rien. Je viens d'acheter Supercross Game 3, j'ai un bug dans la carrière 450, j'ai championnat des pilotes du pack légende. Oui, Swing, c'est un bug du jeu, mais ça a jamais été corrigé. Je sais pas du tout les prix qu'il y a en ce moment, donc je pourrais te dire. Mais je sais que sur si tu vas sur le forum d'Open Classroom, il y a des y a pas mal de configs pour te donner une idée. Forum. Tu vas dans la catégorie. Moi je sais que c'est là-bas que j'ai fait mon tout premier PC. Choix de matériel et config. Et tu vois par exemple, ils demandent souvent dans des prix voilà 1500 euros, bureautique, internet, 900. Tu regardes un peu et tu vas peut-être trouver un. Faut pas prendre un truc trop vieux non plus, mais. Tu réussis à trouver un truc dans tes prix et à coller quoi. Ou sinon tu regardes sur d'autres sites ou tu. Voilà. Mais si tu sais pas monter un PC, t'es mieux à le prendre directement, monter un. Ça coûtera plus cher, mais au moins tu seras tranquille. Mais voilà. Tu m'as tellement matrixé avec tes vidéos MXS que pendant l'année, je m'achète MXS. Bah nice. Et Vendor, n'hésite pas à le prendre sur mixminder.net pour l'exclamation MXS dans le chat. Si jamais tu veux me soutenir, n'hésite pas. Bonsoir Rally, bonsoir. Imaginez MXMeter en 8K. Déjà quand il tournera bien en 1080p avec des ombres dynamiques, ce sera déjà pas mal. Ce sera vraiment déjà pas mal. Non mais ce soir on fait du MXS Rank 7. Il n'y a pas de on choisit ou on choisit pas, on fait du MXS Rank. Faut juste que je regarde si j'ai tous les tracks. Pour moi je les ai tous. Ah non, peut-être pas le premier. Mais je l'ai installé. Donc oui, je l'ai. On va se connecter tout simplement. Sur le serveur. Mais voilà, petit rafraîchissement du PC. Ça va lui faire du bien parce que c'est ce qui datait le plus, ce processeur. Il datait de bien longtemps, bah 2015 comme je disais. Ça faisait bientôt 6 ans que je l'avais. Donc autant vous dire qu'il a bien bien servi. Et qu'il m'a bien rendu des services. Mais maintenant il va passer un step up au-dessus quoi. Non, pas d'MX Bag. J'attends que le jeu évolue et que ce soit plus facile de jouer en ligne écossette. MX Simulator. Ouais, c'est. Je m'en rappelle plus du nom du track, mais je vois le track que tu veux dire, Trolloxo. Il est super dur, ouais. C'est quoi qu'on me voit dans le sud? Alors, jamais Seven, parce que je n'aime pas le chaud. Je préfère avoir froid que chaud. Donc, jamais j'irai vivre dans le sud. Et puis, toute ma famille dans le nord. Donc, enfin, dans le nord. En Normandie, mais voilà. C'est la partie nord de la France. Hello, hello, Skulling. Salut à toi. Bienvenue, bienvenue. Skulling le kangourou. Je finis à 22h30, 23h comme tous les mercredis Orioles. Oui, j'ai un ventirad Thibaut, que j'ai depuis j'ai monté mon PC, mais pff, ça rend toujours un ventirad, tant qu'il tourne, c'est le principal. Donc oui, j'ai un ventirad. Ça fait combien? 42 dollars en euros. Je pense que tu veux demander pour MX Simulator, Alexis. Mais du coup, c'est 42 euros parce qu'en France, tu as la TVA en plus. Mais j'ai réussi à avoir des prix, donc sur MXSimulator.net, tu payes 42 euros. Tu payes pas la enfin il y a voilà. C'est un prix qui est nivelé. Tu le trouveras pas moins cher ailleurs d'ailleurs. Connexion. J'aime trop. Mais du coup, t'as réussi à passer ta triple? T'as suivi mon conseil ou pas de venir taper sur le sommet du milieu pour rebondir et passer entier? Je pense que c'était un bon conseil. Hein. J'ai pas regardé la suite de ton live, mais je pense que ça pouvait être un bon conseil. Oula, ça part déjà en direct, top 5 pour la première course. Direct ça attaque. Direct ça attaque les prédictions. Oui, Natix, j'ai vu ton message, c'est rien de le mettre 15 fois, c'est juste que je sais pas quoi y répondre. C'est cool, t'as vu que t'as fait du cross. C'était cool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Que moi j'ai mangé des knackis ce midi? C'est vache. Merci le Flo pour ton follow. Merci beaucoup à toi. Et merci à toi Maxi aussi pour le follow. Merci à vous deux, ça fait plaisir. Chargement du jeu. Ah puis d'ailleurs le jeu va charger. Tout va être mieux en fait quand je vais avoir mon nouveau processeur. Graphisme. On augmente la FOV, s'il vous plaît. Mais si. Non, je devrais réussir à mieux tenir du coup. Ça va être cool. Ah, t'as trouvé la trace. T'as une petite trace entre deux touffes d'herbe qu'il fallait sauter. Je vois ce que tu veux dire, je vois, je vois. C'est ce track-là qui est super dur, donc ça tombe bien. C'est celui qu'on va faire dans longtemps. Bike setup. Ouais, j'ai juste pas la bonne moto. FC, ouais. Je vois comme moto que je pourrais prendre pour être bien. Petite Kawa, training fluo. Ouais, on va prendre ça. Parfait. Ça va être parfait une petite Kawa ce soir. Le plus truc, c'est que t'es obligé de le prendre avec une carte bleue. Ah oui, sur le site, oui. Je prends pas, je mets pas PaySafeCard parce que y a trop de frais avec le PaySafeCard. Effectivement, oui, si tu veux, mais oui, forcément. Mais du coup, si tu veux quand même me soutenir et tu le prends en PaySafeCard, quand tu vas sur mxsimulator.net. C'est vrai qu'ils ont plus de moyens de paiement. 8 minutes pour les prédictions. Fuxu, c'est gouré, je crois. En fait, si tu vas sur le site en anglais, en fait, quand tu fais Buy MX Simulator, Buy No, tu arrives sur le site de BMT. Et pareil, j'ai les commissions là aussi. Et du coup, tu peux choisir Pay Safe Card, tu peux choisir tout ce que tu veux, quoi, aussi. Ouais, il est à 43,43 €. Mais du coup, ouais, faut juste que tu cliques en fait quand tu es sur le site de en français. Quand tu es sur la page là, acheter MX Simulator. C'est vrai que tu vois pas. Faut que je vous montre, peut-être c'est mieux. Et quand tu vas sur acheter, donc là c'est directement via le site, mais si tu vas sur le site en anglais, tu l'auras directement via BNP parce que du coup, vu qu'il y a, je peux pas être concurrent du prix sans TVA en fait, en dollars. Voilà. Vous en avez des gens en fond. C'était ma copine, elle avait mis le son à fond de son PC. Je m'appelle Hugo Théo. Oui, tu peux quand même payer en euros. Bah, toujours la fois que j'ai le site en euros, en fait. Là, je le passe en français si tu veux, pour être sûr. Mais oui, t'es bien en euros, t'as bien une facture en euros, tout. Et en PaySafeCard, etc. Tout simplement. Bah, j'ai envie de dire, let's go. Alors, j'ai lancé MXS. Oui. J'ai bougé mon fond vert, donc ça ne va point. Voilà, nickel, parfait. Game et on est parti pour ce petit MX Simulator. Tu sauras Insta mon pack de team pour nous voir. Non, je prends pas de pack de team, Julien, parce que généralement c'est des packs 4K qui sont pas optimisés. Peut-être que quand j'aurai mon nouveau processeur, ça pourrait tenir. Mais moi, ça tient pas. Si je mets trop de packs de team, vu que les gens ne savent pas les optimiser, ça fait que de la merde. Clairement. Les gens, ils mettent du 8K sur un PC, un jeu qui a. Dégueulasse graphiquement quoi. Il essaye de compenser le fait que ce soit dégueulasse par des packs plus hauts, mais ça change pas grand chose quoi. Je vous mets au défi de voir la différence sur ma tenue par rapport aux mecs qui font des packs à 1 giga. Alors que moi mon pack il fait 30 mo quoi. J'ai un problème, j'ai fait des motos depuis 5 mois. Peur d'en vendre parce que j'ai peur des critiques, c'était un conseil. N'en vends pas. Si tu veux pas de critiques. Non, mais non, c'est de pas en vendre. Pour l'exclamation setup MXS, Thibaut, si tu veux. Pour mon setup. Là, il faudra que je vois pour changer un peu mon MX pour demain. Parce que demain, il y a les qualifications d'Indianapolis 3. Pour avoir un truc un peu plus mou, ça pourrait être sympa.
Bah et plus tard, Julien, si t'as optimisé ton pack, oui, pourquoi pas, mais s'il est pas optimisé, non, c'est hors de question que je prenne ton pack. Si ton pack fait plus de 100 MO, c'est qu'il est pas optimisé, clairement. Ou alors c'est que t'as deux tenues dedans. On va pousser le restart pour un peu le hello qu'on a. Et à combien on va partir? Vous êtes 104. Merci beaucoup à tous. Merci à tous d'être là. Ça fait plaisir. Ouais, je sais que je peux sauter en prenant Exter où j'étais très loxo. Je me rappelle un peu des traces de cette piste. On avait déjà roulé dessus. Question d'habitude, Evandar. C'est juste que le 250, en fait, quand tu vas rouler à pour débuter, ça va rien changer. Tu seras même mieux en 250. Mais à haut niveau, le 450, faut moins taper dedans qu'un 250. 250, les gens tapent vraiment un truc de fou dedans pour passer les enchaînements. En 250, au moins en 450, ça va un peu mieux. Flo Julou, salut à toi et merci à toi, Kylian, pour ton follow. Merci beaucoup. Welcome à toi. Salut, salut. Bonjour, bienvenue. Hello, welcome. Loi Dingbik. On commence avec Mons Witness MX Read Setup MX. Voilà, comme ça on aura le MX. Et on a combien de Elo? Ça, c'est la question que l'on se pose, que tout le monde se pose dans le chat. Combien MXY a de Elo sur MX S-Rank? Et j'ai actuellement 1695 de Elo. Je suis top 40. La saison finit dans longtemps, donc on a le temps de pouvoir venir. Par deuxième ligne, j'espère que devant il va bien partir, sinon je vais l'encastrer. Non, il est mal parti. Il est tapé dans la grille. Oh, ça a tellement volé. Ah, lui, c'était un des tracks qui était là dans les toutes premières semaines d'MX S-Rank. De mémoire, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas roulé dessus. Là, c'est un mur. Ouais, on est bien monté, c'est bon. Ouais, normalement, on peut prendre l'intérieur. Ok, je m'attendais pas à ça, clairement. Mais pourquoi ils me rentrent dedans? Les gens, ils sont sérieux. Ça fait 3 ans que je suis tombé, ils me rentrent quand même dedans. Il y a des gens que je ne comprends pas sur MXS. Merci Baptiste pour ton follow. Merci à toi. Welcome. C'est la première partie de la soirée. Hein. Soyez indulgents avec mon niveau. Et puis j'ai pas roulé dessus encore. Je vous fais une full découverte là. Des tracés. C'est se focus un peu quand même. Ah, c'est moi, je l'aime bien. Comment il est arrivé là, lui? Il prend des enchaînements, je ne sais pas d'où il sort. Vous essayez de garder top 5 quand même pour vous faire gagner vos points là.
pouvait faire triple là. Peut-être était un peu gourmand. Tentative de triple. Ah, on est bien dedans là, sur un bon rythme. Et 4. Oula. Et sur un bon rythme, mais je suis pas du tout dans la piste. Salut les Upizi Kirikou, salut à toi. Ça va payer ? Non. Oh non, je sors de l'ornière, dommage. Les ornières sont toutes petites sur ce tracé, donc c'est pas évident. C'est encore un tour, je pense. Ouais. Encore deux tours, je pense. Parce qu'on a 6 minutes. Ouais, encore deux tours. Donc rien n'a encore fait. Bon, si je glisse à tous les virages, ça va éviter de faire. Hein. Non, à 20h30, Gunner, comme tous les mercredis soirs. J'arrive pas à les rattraper devant. J'arrive à faire le triple. Il est bien rattrapé là. Je suis même Milo sur le triple. Ça roule bien, ça. Non, sérieusement. Les collisions de merde, quoi. J'ai à peine touché, bam. Ça qui est trop chiant sur la Mix S.
Non mais Redwood, je suis toujours P5 hein. MP4, gars. Il est pas évident ce track, c'est être rapide, pas simple du tout. Oh, sans impulsion, c'est pas si easy. P4, nice. C'est surtout qu'il y a du hello, je crois, j'ai l'impression. Oui, parce que 1, 2, 3, 4, 5... Je suis 6ème du serveur. Donc autant vous dire que je vais marquer plein de points. Et je suis bien, bien content. Ouais, il est sympa le track. Il est vraiment sympa. C'est vrai que c'est plus, ça fait longtemps qu'on a roulé dessus. Donc c'est cool de revenir. Je me rappelle un peu des traces, même si j'ai pas forcément toutes les traces rapides. Mais il est cool. Les ennuis sont pas simples du tout à prendre, par contre. Clocher dans son sens, je connais pas. Parce que j'ai pas envie de rouler avec un kit déco Redwood, j'ai envie de rouler avec celle-ci, la Kawa Fluo, pour changer un peu. Je sais qu'on peut prendre comme ça aussi. Mais c'est chaud à Ricep. Mais l'autre, comment il m'avait doublé là? Ah, mais il est juste passé à côté en fait. Parce que c'est pas possible de faire un transfert là. C'est possible de faire le transfert. Et si tu la régules, tu peux être rapide dessus. Faut juste être rapide et bien précis. Skyzor. Nice. C'est toi qui avais varié le plus, j'ai l'impression. Faut que tu m'envoies ton setup aussi d'ailleurs pour que je le compare à mon setup de 6. J'imagine que tu es 15 fois plus mou que moi. Yes, là je suis propre. Ah, ça rebondit un peu quand même, hein. Ils sont pas simples à prendre ces derniers, hein. Pas simple du tout. Et on reste P4 malgré la petite seconde, la bonne seconde de pénal qu'on a pris. Mais ça va, on reste bien. Ah, très mou pour les départs, ouais. Et moi, je pense que c'est mon avant qui est... je pense que tout mon setup est trop dur en SX. Et le problème, c'est que j'en ai un autre qui est plus mou, mais je passe mon temps à glisser de l'arrière, en fait. Comme celui-ci, hein. Dès que je mets un peu de gaz en angle, hop, j'ai l'arrière qui tourne et ça glisse. C'est un peu, tu vois là, hop, j'ai direct le cul qui glisse. C'est un peu insupportable. Donc j'avais réussi à contrer ça avec un autre setup, mais l'arrière est beaucoup trop dur, je pense. Enfin, surtout l'avant, à mon avis. Tout est trop dur, mais il faudrait que je teste. Il faudrait que je teste de tout ramollir. Ça pourrait être pas mal. PM. Multijoueur, recast restart. Ouais, Jérôme, c'est pas simple. Hein. Quand tu passes de la 250 à la 450, il y a quand même beaucoup plus de couple. Mais tu vois que moi, ce que j'aime bien sur la 450, c'est que t'es beaucoup plus fluide dans tout ce que tu fais. C'est tous les enchaînements passent beaucoup plus mieux, en fait. Tout passe mieux. Tout passe beaucoup plus. Sans forcer, sans prendre les virages à fond, sans tout aller à fond, quoi. Ah ouais, tu crois, du coup, il faudra que je le baisse? Oui, il est vraiment dur à jouer, Swan. Oui, il est vraiment, vraiment dur à jouer. Du coup, pour toi, mon max base bit, faudra que je le baisse. Peut-être. Faudra essayer. Mais le problème, c'est que je joue tout le temps assis, moi, contrairement à toi.
C'est ça le gros problème, moi, c'est que je joue trop assis à mon avis sur XS. Oula, je suis encore en front only, enfin en stop only, j'ai l'impression. Sérieux, ils sont tous tombés là? Comment ils font pour tous tomber là? Ah bah voilà, il suffit de prendre un autre en fait. Max, d'habitude, c'est à partir de quelle vitesse ton pilote, enfin jusqu'à quelle vitesse ton pilote peut sortir le pied. Donc s'il a 18, c'est que c'est en dessous de 18 mph. Miles par heure, il pourra sortir le pied. Au-dessus, il rentrera automatiquement le pied sur le calpier. Tu vas voir que là, je vais carrément moins sortir le pied. Wow, wow, ok, d'accord, elle est hyper courte. Je connais pas le SX. Hein. J'imagine que triple passe, oui, voilà. Pas l'air si dur que ça, il y a des gens qui se plaignaient des tracks cette semaine, à part un, les restes sont sympas. Oula, là, genre tu fais double, trip, ouais, je pense que trip direct ça doit mieux passer. J'ai pas voulu prendre le risque de le faire. Oula. Ah là c'est court, je m'en rappelle. Ouais, trip trip, il va passer là. Freinage que je lui ai mis. Ça y est. L'avantage de quand t'as de stop links, c'est que ça freine à mort. Ouais, voilà, le trip trip il passe bien. L'appareil, j'imagine, ouais. Trip trip quadruple, je pense que ça passe même. Je suis pas trop dans les lignes, je sais. Trip trip, easy. Oula. Ah. Je pense que mon setup, j'aurais été mieux avec l'autre setup là. Là, je suis dur comme un bâton. Hein. C'est un peu abusé. Ah, j'aurais pu passer, je pense. Je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes lignes dessus. Mais il est cool. Tout à l'heure, quelqu'un me disait qu'il était pas ouf. Mais il est cool comme SX. J'aime bien. Yo, Drew. Salut. Ce step, ça devrait être un peu mieux. Le scrub. Oui, bah mon setup, oui, parce qu'il est fait pour les nouveaux SX, pas le ce que j'ai pas ces SX là. Mais là, ça va être mieux avec ce setup que j'ai là. C'est juste que je m'entraîne pour MX Bike, donc il me faut un setup qui rebondit quoi. Presque. Ouais, les boss sont un peu à pic, c'est tout sur ce track en fait.
Là ça passe ou pas? Ah ça a pu passer, je pense. J'ai peut-être dû essayer les tracks avant. Parce que découvrir les pistes en plein live, c'est pas le bon plan. Mais il est sympa, le... Moi, je l'aime bien SpaceX. Enfin ouais, il y a beaucoup d'érodes. Hein. Il y a un point d'érode, c'est peut-être un peu trop. Mais bon, après c'est cool, au moins ça change. C'est ce que c'était un truc à juste dessus sinon. Mais c'est juste que ouais, en fait c'est juste qu'il est pas simple comme SX. C'est pour ça que les gens se plaignaient. Puis avec l'Euro ça facilite pas les choses hein. Ça passe mieux que ce setup quand même. Hein. Triple. Oui. Non, ça ne sera pas. Devant là. Oh, je tombe dessus direct. C'est le bordel. Salut à ceux qui sont sur live, salut à vous. Ça va, je me pris un tour. J'ai pris un tour, ok, normal. Bon, après, je le mets. Hey, je fais quand même faire un 50 secondes, pas si mal. Nul le SX, non, il est bien, moi je l'aime bien. Pourquoi ils disent tous nul? C'est lui qui est nul, à mon avis. Hein. Ce qui est cool le SX, hein. quand t'as les traces, il est sympa. Hein. Vous savez, point, Evandador, ça dépend de toi, il n'y a pas de bon ou moins bon. Voilà. Tu savais que Beta allait arriver en Mimic GP? Peut-être. Possible, je suis pas les courses en vrai, donc... Demain, je pense que j'ai pas de vidéo à tourner, donc je pense que je vais commencer vers 15h mon live demain. À la limite, on peut faire 4 en fait là. Ok. Et là, tu fais comme ça, triple, derrière table, triple. Ouais. Alphax, salut à toi. Bon, GG pour une 7ème place, non, pas GG du tout là. L'erreur est trop élevée en fait. Je vais la diminuer un peu. Alors. Je vais mettre à 0,75. Ça serait mieux, je pense. Je sais pas, vendredi matin, je sais pas trop loxo. Je pense pas. Je pense que je vais pas faire de live parce que je suis pas là vendredi après-midi. Et si vous voulez une vidéo samedi, faut que j'ai le temps de la faire. Donc, je pense qu'il y aura pas de live vendredi matin. Ah, c'est 0,5. C'est 0,4 alors. Ah, je pensais que c'était plus que ça, l'erreur dessus. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Merci Stéphou pour ton 8 sub tier 1 pour le 3ème mois. Salut à toi. Yo, le pilote français. Bah, salut à toi, le viewer français. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton 8 sub. C'est vrai que les gens sont un peu flemmards en ce moment sur les 8 subs, mais merci à toi, ça fait toujours plaisir. Parce que je crois qu'on a 67, voilà, 68. Donc, ouais, merci beaucoup. Hello Olicolo, salut à ceux qui arrivent sur le live. Ah merci Skyzer, je le testerai demain. Et merci à toi. Merci beaucoup. J'imagine que c'est... Vous inquiétez pas, elle tombe tout le temps, elle tombe enfin, 3 fois par jour. Elle est habituée à force. J'espère juste que ça a pas tout déconnecté et que je vais pouvoir... Pas besoin de relancer mon jeu. Normalement non.
J'imagine que c'est un setup que tu m'as envoyé, Alexis. Je n'aime pas relancer Discord, moi, depuis que j'ai redémarré mon PC. Petite question, du coup. Est-ce que ça te dérange si je le montre? Ou s'il faut que je fasse gaffe de ne pas le montrer? Parce que des fois, il peut m'arriver par erreur, des fois, de montrer des setups. Yep, merci beaucoup. Je regarderai ça un peu plus tard. Ok, ça marche. Harris Hill. Ok, merci, merci, merci. Harris, on va jouer en MX. Au pire, je peux le tester là, non? C'est plutôt SX ou plutôt MX ce que tu m'as envoyé? Oui, c'est vrai que j'ai un setup où j'ai encore la moto dessus. Plutôt SX, ok. Je verrai pour tester au pire en fin de live. Allez vous percuter vous au bout de la ligne, là moi je freine tôt. Hop, voilà, parfait. Oh non, ça va, pourquoi je suis tombé là? Allez, 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 allez. Pourquoi ça a mis du gaz comme ça et que ça a tourné d'un coup? Des fois je comprends pas quoi. De cas fait pas le con. Oula. Désolé Golio. Allez, je vais essayer de te rattraper tout ça. C'était chaud la réception là. C'est une piste où il faut pas mal connaître les vitesses des sauts, mais ça, je les ai plutôt pas trop mal. Ouah, il y a une bosse inter en fait là. Oh non, mais il me prend l'avant. C'est rapide, je vais tomber. Je perds les pieds. Ah non, même pas. Je n'ai pas du tout les vitesses des sauts, donc c'est chaud sur ce track. C'est tombé à terre, je les ai vus. Je m'envole quoi. Je suis court. Je vais me mettre ses courts. Laisse tomber. C'est à gauche, je me rappelle. Oui, nice. Je suis tout en dehors de la piste. Mais non. Même sur mon propre serveur, j'ai la poisse, quoi. Oh. Allez, dégage. Ah. Yo, Nounmoz. Bah écoute, j'ai plus du tout en tête les vitesses de ce track. C'est abusé. Et du coup, c'est chaud. Parce que c'est des boss qui se prennent un coup court, un coup vite.
Oh bah. Et je parle avant. Allez. Peut-être se concentrer un peu à MX-Way quand même, non? 17ème, c'est pas mal comme classement. Vous trouvez pas? Là, c'est long. Voilà, parfait. Je sais pas pourquoi à chaque fois je sors de ces ornières, c'est abusé. Là, c'est court avec un petit scrub, ça passe bien, voilà. On va chercher l'intérieur. Oh, je roule quand même mieux le jeudi, j'espère. Là, c'est long. Voilà, parfait. Je vais déposer avec l'inter. Vraiment pas aller jauger les boss hein. Je vois que je suis pas le seul, c'est rassurant. À la place. Ouais mais regarde je remonte tranquille. Et c'est vrai qu'on pouvait prendre appui ici. Putain, c'est parti en concours de watch time. Alors attention pas trop vite là, MX-Way. Un peu vite mais ça passe. Oh mais le pauvre, du coup je lui fais l'inter là. Je préférais pas le lancer de scrub. De scrubs, pour être sûr. Mais là je peux lâcher un scrubs. C'est passé. C'est joli ce dépassement. On peut le dire, il était plutôt joli. Olé. Oh, comme il a fermé la porte. Je vais me laisser faire comme ça lui. Ça coule dans tous les sens. Belle la bataille là quand même hein. Pour une 10ème place mais c'est beau. Là c'est long. C'est très long donc voilà, malheureusement. C'est pas passé. Skyzard, disons qu'il monte, qui regarde MX-Way depuis plus de 24 heures. Mon dieu, quelle honte. C'est pas une honte pour toi d'avoir ce genre de stats. Ça passe. D'ailleurs, tu vas être content. Si je suis en train de préparer un championnat de Supercross pour MCS Rank. Il manque plus qu'un sponsor et tu pourras venir prendre tout l'argent. Ouais, j'avoue que c'est un peu full speed ce track. Ouais. Non mais nice. Je t'avoue que je sais pas si ça va être autant que la dernière fois, j'espère. Mais faut juste que je trouve les bons sponsors quoi. Et normalement ce sera sur la track de l'EMF. S'ils sont ok pour me les passer, mais normalement je devrais réussir à trouver un arrangement. Non sérieusement je parle. Oh. Pas folle cette course, hein, pas folle du tout.
ça ira mieux la deuxième fois que je vais la faire parce que tu sais, j'ai un peu plus ces vitesses en tête. Parce qu'elle est pas simple à jouer. D'un coup, t'as des énormes jumps, un coup, t'as des tout petits jumps. Genre là, il est petit chez petit. Bah ouais, c'est pas à faute d'essayer pour avoir d'autres sponsors. Je peux vous dire que j'en envoie des dossiers de sponsoring, mais j'ai pas beaucoup de réponses. Hein. Il y en a beaucoup qui font les tops quand même. Hein. Oui. Juste sur le fil. Ah non, c'était le 21ème. J'ai pas gagné de place en fait. Et du coup, je perds du goût. Ouais, désolé. Mais là, j'étais pas dans le coup du tout. Oui. J'ai pas fait un tour sans tomber. C'est un track vraiment rapide. Et si t'as pas les vitesses, c'est mort sur ce track. C'est la mort. Normalement, faut mieux prendre comme ça, hop. Là, tu réaccélères plein gaz. En appuyant, en fait. Oh. Le S6. J'aurais dû faire ça pour la passer. Je suis mieux. J'ai... Oh là, je suis même long. Ah ouais, Alphax? Ouais. Bon, après, ils me sentent bien ou en mal. Ouais, c'est possible. Je sais pas ce que c'est le next track. Le track d'après, c'est... Alors là, on a fait ça. C'est MDSX, c'est un autre track tout plat rapide. Fruiteux, je sais plus quoi, là. Ça marche, Fuxo. Ça marche. Et on finit 9 avec les pénas. Nice, on a gagné une place. Mais on va perdre des points. On va perdre des gros points. Je laisse sur aucune au Licolo, j'ai pas roulé de la semaine, donc enfin depuis le changement de track, donc je peux pas te dire. De toute façon, c'était fini. Les prédictions, vous avez évité combien? 6100 contre 9000. Ah, vous êtes plus contre moi là. C'est quoi ce live? C'est quoi ces gens là? Vous tenez 3 vos points à mon avis. Hein. Trop vous tenez à vos points et du coup vous vous assurez tout. C'est pas très très sérieux tout ça. C'est pas sûr. Juste pour ça j'ai envie de vous faire tous perdre là. Surtout que c'est un niveau à peu près homogène où je peux faire top 5 quand je peux pas faire. C'est ça qui est fou quoi. C'était un fruit parti, ouais. Je savais qu'il y avait un fruit dedans. Et je le savais. Gunner qui a mis 5000. On risque. Salut Jordan. Salut à tous ceux qui servent sur le live. Salut à vous. Welcome. Bienvenue. Bienvenue à vous. Welcome. 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 Et j'ai perdu 5 points. C'est à prendre. Tiens, plus regarde, hop. Hier, je fais le shot, mais non, je suis parti en wheelie. Mais je vois pas si mal que ça.
bien parti. C'est bien, je me rappelle des traces quand même. Parce que c'est des tracks que j'ai quand même fait plusieurs fois. Pas sûr que ce soit une trace très réglementaire celle-là par contre. Je sais qu'il y a le trip qui est chaud. Là, bien mesuré. Bon, allez, deux se plantent. Et moi, je me plante pas, ça va. Je savais qu'il était tout juste. Les Olico, les O, les Gunner en sueur. Non. Wow. Chaud cette sortie d'ornière là. Encore long, mais ça passe. Ouf, non mais des fois j'ai des trucs, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Le cul il part d'un coup. Non, 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 oh. Je fais n'importe quoi, j'étais bien. Puis pour monter sur ce track, j'ai tombé, c'est la mort. Enfin, tous les gens sont contents. Et arrêtez d'être contents de mon malheur, là. Juste vous kick du live, là. Vous allez voir ça. On va arrêter les prédictions, hein. C'est trop chiant. C'est pas avec moi. Tout ce que vous voulez, c'est que je tombe. Plus j'ai glissé de manière totalement inattendue. Hop là, juste pour vous, je repasse top 3. Ça vous apprendra à se moquer du streamer que vous regardez là. Juste pour vous, je vais tout faire pour gagner. Enfin, pour faire top 5. Ouais, ouais, je suis focus. Ça vous apprendra. Pas être derrière moi, là. Thank you.
encore deux tours. Trigger en PLS. Non, ils vont réussir à se connecter au serveur juste pour me faire tomber. C'est les mêmes qui votent que dans mes hits de Supercross le jeudi soir, comme quoi je vais pas passer au main event. C'est les mêmes, on les connaît, hein. Gros radin des points de chaîne là, les maillons de chaîne. On les connaît. Hein. Allez, dernier tour. C'est con, j'ai de l'avance, hein. Faut que je passe pas trop vite parce que je pourrais pas me prendre un coup de karma. Voilà, juste pour vous. Ça vous répondra à pas croire en votre streamer. Voilà. Allez, prenez vos points là. Non, mais oui, je joue pour le haut. Parce que plus je fais une même place, plus je gagne du points. Parce qu'il y a du monde là. Il y a pas mal de monde là. Je suis 5ème du serveur, donc je vais gagner des points. Voilà. Kaiser, nice, t'as pris masse-point ce soir. Hein. Alexis, il se met trop bien ce soir. Ça va devenir le plus riche de mon Discord, de mon live. Ah, au moins, lui, il croit en moi. Il sait que j'ai une marge de progression. Non, MC100 qui est gratuit, Lufox, c'est juste si tu veux faire des courses en illimité, donc jouer plus de 1h30 par jour, faut payer 3€ par mois. Mais sinon, tu peux jouer 5 courses par jour totalement gratuitement. Meilleur business plan ever. Tu rends les gens accros et au bout d'un an, bam, tu mets payant. Ouais, bah il y en a qui jouent très très fort. Hein. Ouais, maintenant j'ai changé, j'ai pris le ski pour le supercross, donc faut que je m'habitue avec. Slash toggle time. Boxo. Que ça passait ici. Ah, je suis passé premier. Encore pire les gens. C'est que je gagne. Tiens, à tous ceux qui ne pensaient pas que je faisais un top 5 là. C'est une victoire. Merci les pénas. Ils ont pris combien de pénas? 4 secondes et 7 secondes. 14 secondes. Oh, ils ont pris tellement de pénas. C'est parce qu'ils coupent trop dans le virage en dévers. Dans le virage qui est... juste là. Là. Dans ce virage-là, en fait, il faut pas trop couper.
Si tu coupes trop, laisse tomber, tu prends masse pena. Faut rester dans les traces. Non, c'est moi qui ai pris 4 secondes, les autres 7 et 16. Faut rester dans les traces, sinon tu coupes trop en terre. Yo, Erase, salut à toi. Merci à toi, Eloi Press, pour ton follow, merci. Je suis pas allé sur aucun track, dit-il. Mais c'est vrai, j'ai roulé sur aucun track cette semaine. Hein. Donc j'en connais aucun en fait. Enfin, j'en connais que de mémoire, c'est tout. J'avais fait aucun tour avant. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, allez. Ah oui, mais il est parti, notre ami Fuxo. Pour faire. Bah oui, mais il y a Kelosil qui est apparu. Bah, du coup, Kelosil va pouvoir reprendre la. Salut, bonsoir à toi, Kelosil. Tu vas pouvoir reprendre le flambeau pour faire les petites traditions. Bon, alors ce track est dur. Faut pas vouloir être trop rapide en fait. Mais ça va aller. Et du coup, on a pris combien de points? Ça m'intéresse. Juste 32 points, nice. Oh, et puis on est nombreux là en plus, ça fait plaisir. C'est cool quand le serveur ne split pas. C'est qu'on est nombreux. Oh. Et oh, faites un peu attention. Yo DJ Nico, salut. Slash toggle T-O-G-G-L-E. Ah. Mince, tant pis, c'est pas grave. C'est pas très grave. De toute façon, je suis dernier. C'est bien, je fais une course en tête, une course dernier, une course en tête, une course dernier, c'est cool. Trop rapide, on peut mettre du gaz. Je vais glisser, chef. Tellement défoncé. C'est vrai qu'il est pas très plaisant à rouler. Genre j'ai piqué de l'avant, dommage. Oui, tu peux faire double dans la montée, tu peux. Ça c'est moi qui fais la merde. Quand je vous dis que je suis pas à l'aise dessus, c'est juste que je les connais pas, donc je connais plus les traces en fait. Il faut prendre à droite, à gauche, faut être bien pour éviter les trous. Puis là pour remonter, laisse tomber. Faut éviter tout le monde. Parce qu'ils peuvent tomber partout, hein. Même dans les endroits les plus improbables, ça peut tomber. On va mettre du gaz là. Tu peux faire double là. Oh, j'ai eu un coup de ping. Ça va, il m'a directement dit. Hein. Triple. Assez, nice. Trip.
sentais pas là. Ah, on commence à voir les traces, ça y est. Je vous dis, c'est juste un track où il faut apprendre les traces. Dès que tu as les bonnes traces, il est cool. Bah, en fait, tu peux pas accélérer comme un fou dedans, mais au moins il est technique quoi. Fois les tracks techniques aussi. C'est cool, je m'arrête dans le premier virage. Ouais, c'est Bellbring, c'est ça. Nux. Tu as totalement raison. Et j'imagine que IRL c'est un track qui est défoncé aussi. Donc il est aussi défoncé. Ouais, coup de raquette là, je l'avais pas su venir. J'ai pas vu venir du tout. Je perds déjà moins de temps à. Hein. À part freiner pour l'autre. Moi je reste plein de gaz. En fait je trouve qu'on fait la course meuf là-dessus. Ils avaient du courage. Hein. Ah bon, quand tu fais une course, t'adaptes ton setup un peu à ça quoi. Ce que je dis, une fois que tu as les traces dessus, ça va, il est pas si dur que ça. Je veux savoir les traces. Non, moi j'ai une boîte beaucoup trop courte pour ce genre de piste. Oh, mais non. Ouais, j'ai peut-être progressé un peu en virage, mais bon, quoi, tu vois. Est-ce qu'un jour, Amicia Frank pourrait être jeune? Mais comment Non, ça veut dire qu'il faudrait que je développe mon propre jeu de moto. Il y a du boulot là. Que ce soit un jeu indépendant, ça veut dire que il n'y aura pas que MX-S1, ce sera un jeu moto à part entière quoi. Ce sera un concurrent à MX-Simulator du coup. Quand je vous dis que ça passe hein. Il suffit de le vouloir. Quand on veut, on peut hein. Trip, ça passe. Quand on veut, on peut. Ah non, un peu court. Salut Romeo, salut à toi. Ça va très bien et toi? Oh, déçu, sérieusement. Triple. Chaud, là. Merci Savonnette pour ton petit sub tier 1 pour le 11e mois, bientôt un an. Bonsoir à toi. Ça va très bien et toi? Bientôt un an, nice ça ça. On va essayer d'avoir les 3 devant là, ce serait cool. Les 3 ça veut dire qu'on fait top 5 si on a les 3 devant. Oh nice. Allez, un tour sans faute, ça serait cool. Thank you.
C'est aussi possible de faire l'autre double, ok. De l'extérieur, il a fait l'autre double. Oh, même ce virage. Tellement l'arrêt. Une 48. Eh, hey, je suis plus rapide que le premier. Sur un tour. Elle est où l'arrivée? Je crois qu'elle est à la start line, non? Non, mais à chaque fois dans ce virage, je me fais avoir. On va aller arriver. Top 5! Encore une fois validé. Bah. Quand j'aurai 200 à 300 000 euros à investir, l'UFOX, ouais, je ferai mon jeu de moto. En ce temps, je n'ai pas cet argent. Ouais, je sais que c'est possible avec de l'extérieur de faire ce que je faisais avant, je crois. C'était mon ancienne trace. On va tenter. Ah, ok, c'est pour ça. Parce qu'il y avait de la boue et tout, il n'avait plus un temps de merde. C'est pour ça, ok, d'accord. Ouais, si tu prends bien, tu peux aussi faire comme ça, quoi. Du coup, je pense que c'est plus rapide. Mais autant dire que l'UFOX, le jour où je sors un jeu de moto, MX Simulator et MX Bike et Motocross chez les Dream ont des soucis à se faire. Hein. Avec toutes les idées que j'ai, je te dis que si je fais, c'est que j'ai le budget. Autant dire qu'ils vont avoir des soucis à se faire. Hein. De quoi, Nino? De quoi je réponds? De quoi ça bug? Non, ça bug pas. Y'a que chez toi que ça bug. Plus que ça après c'est le SX ou c'est pas encore le SX? Faut vraiment prendre à deux à l'heure là. Non, avec les pénons pas 6. Ouh, nice le front. Non, dommage. Dommage, 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 vite. Enfin, avec Kers, pour pas qu'on se fout, pour qu'on voit ça. Ça s'appelle un Kickstarter, Kylian. Mais pour faire un Kickstarter, il faut avoir une base de jeu. Et je n'ai pas de base de jeu à vous montrer pour vous donner envie d'acheter. Bonsoir Bastien, bonsoir à toi. Welcome, bienvenue, bienvenue sur le live. Salut, welcome. N'hésitez pas à sub, les gens qui sont là sur le chat. Toujours plaisir. Ah oui, c'est vrai que c'est Mounts, j'ai oublié lui. N'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez me soutenir. C'était pas welcome. C'est vrai qu'il n'y a plus de donation goal, faut que j'en lance peut-être. Parce que les derniers que j'avais ne sont plus du tout viables. C'était à l'époque où j'avais 160 subs. Faut que je vois en fait. Plus 10 tout de même, plus 10 quand même. Partons large, s'il vous plaît, merci les gens. Wow, j'ai évité tout juste. Allez, go. Mais non, pas go. Non, mais si je crée un jeu, tous les joueurs d'MX Simulator l'achètent direct, hein. Je l'achète pas. Il n'y a pas de je l'achète parce que c'est MXWay. Non, c'est juste que vous allez l'acheter parce que ce sera l'unique jeu où tout le monde jouera dessus. Pas comme un non, ils sont chauds parce qu'ils font les transferts. Ce sera pas comme un X-Bike ou un MX Simulator qui aura son propre moteur graphique. Moi je ferai direct sur Unreal Engine pour être tranquille ou Unity, un des deux.
et direct on aura des beaux graphismes sans rien faire. C'est ça qui est trop bien sur ces moteurs graphiques. Allez, go, concentration. Qu'est-ce qu'il fait le devant avec sa moto? Ma moto là. Et la moto, il fait des droites gauche. Ça aurait pas été autorisé quand tu roules avec une moto BMT Factory de faire des droites gauche. Mais c'est lui qui m'a sauté dessus tout à l'heure, le 73. Je me méfie. P5. De toute façon, moi, c'est objectif de la soirée, hein. Faire P5 partout. Ça me va, nickel. Oh, ça fait tellement long. L'intérieur. Remix, ouais, oui, ça passe. L'intérieur est passé nickel. L'arrêt dans le virage. Merci Nino pour ton petit host. Merci à toi, ça fait plaisir. Merci du soutien. On est en TP3, mine de rien, on remonte hein. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Bon là c'est loin par contre. Hein. 13 secondes mais on sait jamais. Hein. Bon c'est loin. C'est sûr que c'est pas avec ce genre de passage qu'on va rattraper. Est-ce qu'on va réussir à faire le triple à tous les tours? C'est très beau quand même. Parce que le freinage est un peu compliqué par moment derrière. Sérieusement. Non mais il n'y a pas qu'une histoire de physique et de qualité. Si je fais un jeu, il y a aussi une histoire de fonctionnalité. Hein. Ouf, t'as un peu osé ça. Mais aussi, il faut... Est-ce que... Y a pas que la physique, c'est la modabilité des jeux qui sont actuellement à chier quoi. C'est pas ce qu'on peut faire en 2021. En 2021, tu peux avoir un jeu où automatiquement t'as les skins de tout le monde quoi. Ce serait ouf ça. Des mythes, sérieusement. Je fais qu'une seule vidéo par live, Kylian. Mais faut que je revoie comment faire mes vidéos de MXS Rank parce que j'aime plus le format. C'était bien, mais bon, ça n'a pas bougé depuis 2 ans, donc au bout d'un moment, il faudrait que j'arrive à trouver un nouveau format pour ces vidéos d'Amixes Rank. Sauf si je joue comme ça, c'est pas ouf. Mais parce que je sais pas faire du Fox, donc faut que je paye des gens pour le faire. Donc il faut payer un développeur, un modeler 3D, voire 2 développeurs. Ça coûte facile, voilà, 300 000 euros, le temps de créer le jeu.
connais beaucoup de Redwood, des développeurs qui travaillent gratuitement et comment ils mangent s'ils ont pas de sous. Ça s'appelle pas ça. Ça n'existe pas la location, enfin la. Si le deal dit. Les gens, et après, ils vont voir leur. Ils voient un monop et ils disent eh bah, les gens, je travaille gratuitement en ce moment, mais je serai payé quand le jeu sera vendu, je vous paye plus tard. Ça marche pas comme ça la vie. Hein. Les développeurs, faut les payer, et même si ton jeu se vend pas et sort jamais, faut les payer quand même. Si c'est le jeu est un échec derrière, faut les payer quand même. Populaire pour faire un jeu, c'est trop ça. Je vais prendre que des stagiaires. Je vais appeler une école de développement de jeux vidéo et je vais dire bonjour, je voudrais 15 stagiaires s'il vous plaît. Parce que ça n'existe pas le jeu de motocross parfait. C'est que pour les gens comme nous qui aiment la simulation, ça va être parfait. Et pour un mec qui veut juste s'amuser comme ça, sur un live, même pas en live ou juste avec ses amis, c'est beaucoup trop dur. Non mais les solutions, je les ai, Redwood, 300 000 euros. Avec 200 000 si tu brides quelques fonctionnalités. Mais j'ai pas trop... Oh là, c'est un peu coupé ça. J'ai pas trop envie de les brider, les fonctionnalités. Putain, j'ai presque réussi à freiner. Pas sur le 6 d'après de toute façon. Non, c'est moi qui glisse. Nino, je suis pas vraiment le meilleur là. Je suis P6, P7, tu vois, je galère. Qu'est-ce que tu fais avec ta moto encore? Galère ce tracteur, il est pas si dur que ça, mais je suis pas dedans. Je suis pas focus. Ouais, je glisse à tous les virages, nice. Comment ça, MCS est claqué au sol, shot. Tu as pas joué, toi, c'est pour ça. Après, dis-toi, 300 000 euros pour un budget d'un jeu, c'est pas énorme. Ça peut te paraître beaucoup pour toi, mais pour une entreprise, c'est pas énorme, hein, 300 000 euros. Je te laisse regarder le prix que coûtent des jeux en développement beaucoup plus gros, quoi. Après, tu vas me dire, ouais, Mixbuy, ça coûte rien. Ça fait 6 ans qu'il est en développement. Le but, c'est de sortir un jeu rapidement qui est jouable vite, quoi. Pas d'attendre des années avant qu'il soit jouable, quoi. Enfin, le but, c'est de sortir un jeu et dès sa sortie, il est meilleur que tous les autres, quoi. Ou rapidement après sa sortie, quoi. Pas 6 ans après où il commence à avoir un potentiel. Non, c'est bien rattrapé P5 quand même. Et quand je vous dis objectif P5, je fais P5 à toutes mes courses. Hein. Ça, c'est génial, mais il y a zéro ergonomie. Le jeu est pas très beau, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. La physique de MXS c'est cool, mais tout le reste c'est dépassé. Enfin, même le menu tout est dépassé. Quand tu vas dans ton menu, quand tu vas là, bike setup, riding, tu devrais voir la tenue en 3D avant de la sélectionner. Ça devrait être par catégorie. Genre là, toutes les 2016 MT Factory MX aléatoire via Wiz. Ça devrait être dans un seul truc où quand tu cliques dessus, t'as accès à tout. C'est pareil, tu devrais avoir plein de trucs mieux en fait. Ça devrait être carrément plus propre que ça. Mais pareil, quand tu vas dans des conneries, hein. Playback, tu devrais avoir plus d'infos sur le playback, à quelle heure ça a été fait. C'est des conneries à ajouter, ça prend pas de temps.
Mais voilà, puis après, bah forcément, il y a tout le côté graphique à refaire, quoi. Non, mais c'est normal, all shot, hein. C'est normal, c'est tout le monde est comme ça, c'est juste qu'à MXS, c'est super dur. Il faut que tu persévères et tu vas y arriver. C'est pas que c'est claqué au sol, c'est juste que c'est super dur. C'est pas un super cross the game ou un MXGP. Parce que t'as pas fait. Faut que tu fasses slash démo backups avec un nombre derrière si tu veux avoir tes démos automatiquement. Clavier souris. Non, faut jouer manette. Mais là, tu vois, là, par exemple, en ligne, je devrais avoir les skins de tout le monde automatiquement. Je devrais pas me faire chier à télécharger des packs. Quand tu connectes à un serveur, tu devrais, si t'as pas les tracks, les télécharger automatiquement. Il y a plein de choses comme ça qui devraient être mises en place pour que le jeu soit bien. Il faudrait pas les bidouiller des fichiers pour les mettre, les copier-coller, les machins, les trucs beaucoup trop compliqués. Beaucoup trop compliqués. Ah, GG à toi, CRX. GG. Et on reste 5, nice. Je passe au SX là de mémoire. Et on a baissé les rods donc ça devrait être mieux. Tony, merci beaucoup pour ton follow. Merci à toi. Welcome. C'est juste que MXS, son moteur graphique est dépassé, du coup tu pourras jamais rien faire de bien avec. Je pense pas que son passage en 64 bits va changer grand chose. Merci Nino. Pas besoin de mettre ton message 15 fois, c'est parce que j'y réponds pas que je l'ai pas lu. Mais je lis tous les messages du chat. Ouais, c'est bien le SX. Yo à toi Florian, bah ça va très bien toi? Comment tu vas? Slash write stop slash read stop, tout est marqué sur le wiki d'Amix Simulator. En net. 5 tracks par semaine, Evandar. Direct à 20 secondes, tu vas tomber dans tous les virages, tu vas pas réussir à rouler all shot. T'es obligé de commencer plus haut pour comprendre la physique et la prendre en main. C'est pour ça que tu tombes tout le temps si t'es trop bas. Moi j'ai comment. Putain, all shot d'Amix, ouais! Une belle course. Vous allez sur un plein milieu d'écran, je sais. Oula, ça annonce un nom. Sur le trip, j'ai essayé de l'enlever. Ouais, parfait, nice. Alors, on est parti premier. Ah, mais il y a eu un split serveur, non? Je sais pas. Pas grave, on reste quand même. Avec les meilleurs. Allez, le trip trip, il passe. On va essayer de faire un bon tour. Ça passe. Quadruple? Oh presque, ça passe. Là, direct derrière table. Enfin trip normalement. Mais c'est juste que ça pique. C'est sûr qu'il est pas évident ce SX, hein. Je pars sur l'arrière, c'est abusé.
saouler. Voilà, ça passe, voilà. Parce que bah, c'est un peu à pic du coup la MXS réagit un peu bizarrement quoi. C'est un peu t'es un full sur l'arrière, full sur l'avant. Voilà, je passe. C'est ça qui est chiant sur ce track quoi, c'est que c'est vraiment un pic quoi. Je suis rendu sur que j'aime bien les deux qui viennent. Ouais. Ok. Oui bah faut les sauvegarder avec slash right setup, donc écrire setup. Ok, je suis en fantôme, merci. Oh, Femix. C'est remonté devant quand même. On va bien la frappe. Frappe, nice. Elle passe vite, c'est un peu vite, dommage. Sinon j'étais propre dans ce tour là. C'est vrai qu'il est juste. C'est juste qu'il est particulier à rouler comme track quoi. C'est pour ça que les gens l'aiment pas trop. Donc c'est à pic, faut vraiment être propre quoi. Non, il tombe, je tombe. La chance qu'il a. Elle a encore deux tours. Et on va essayer de descendre sous les 50. Tellement long. Ça passe. Nice. On a aussi tous les enchaînements. Alléluia. On va être sous les 50 là, easy. Non. Dommage. On augmente un peu le rythme. On a fait 50 points. Dans le triple ici on peut être plus rapide. Quadruple. Oui, ça passe. Nice. Quand je vous dis que c'est passé. Là je vais être rapide là. Non, je perds les pieds, dommage. Oh, je suis deg. J'étais
J'étais trop bien, j'étais trop propre. Je me suis mis un peu long quoi. Sinon c'est sûr que ça passait quoi, le 50 là. Je l'avais tout fait. Il a fait de refaire un tour. Nice. Ah je suis deg si on l'avait là le tour. Et merci à toi Cortex pour ton Resub Prime pour le 4e mois. Et j'espère que tu vas bien toi aussi. Ça va très bien. Merci beaucoup à toi Cortex. On dirait des pyramides j'imagine. Et merci à toi pour ton follow. Voilà, avec un petit wheeling ça passe mieux. Vraiment il est pas évident parce que l'adhérence est particulière et les virages sont particuliers en fait. Mais franchement une fois que t'as ligne il roule bien. Ouais on va retenter là le quadruple de le faire propre. Triple quadruple. Forcément tu gagnes du temps. Triple. Dommage. J'avoue 47. Mais comme quoi ça veut rien dire un temps autour hein. Chaud hein. Quand t'es en fantôme c'est que t'as raté une gate et du coup ou t'es resté trop longtemps à un endroit, du coup le serveur préfère te mettre en fantôme plutôt que tu foutes la merde avec les autres. Bam. Ouais il est chaud mais ça ne suffira pas pour gagner malheureusement pour lui. C'est ça, trop longtemps au même endroit ou quand tu rates trop de gates. Et vu que t'as sauté des gates il m'en fantôme parce que t'es pas censé être là. C'est pas du tout moi le développeur du jeu Florian. Moi j'ai développé MXS Rank qui est un serveur sur MX Simulator. Et MX Simulator c'est pas du tout moi qui ai développé, j'ai rien fait. Hein. J'aurais bien donné de l'aide mais non. Ça marche même le caster. Non, non, moi j'ai pas développé MX Simulator. Beaucoup de gens pensent, mais non. Ils pensent à tort. Je suis pas du tout derrière MX Simulator. Je suis juste un créateur de contenu sur le jeu. Déjà meilleur que le départ que tout à l'heure. Allez, là on a les longueurs de boss. Comme ça, c'était annoncé, t'étais heureux. Comment ça? Oh, sérieusement. J'ai pas compris, j'ai doute ta question. Mais t'as fait quoi? Bah, moi j'ai créé un Miximator, enfin un MXS Rank plutôt. Le système de classement avec des points Elo. Là en fait les gens ils courent l'un contre l'autre et t'as des points qui s'affichent à toi que j'ai Elo 1784. Moi c'est ça que j'ai créé. Donc le serveur derrière avec le site web etc. Le système de classement Elo. Le fait de pouvoir faire des courses 24 sur 24 etc. Pas le jeu en lui-même. Moi j'ai juste créé le système compétitif. Quelques skins et quelques motos, c'est tout. Ah oui, à l'époque, oui, bah après, il était pas aussi bien à l'époque. Hein. Il a quand même évolué un peu dans les années, heureusement pour lui. Et oui, à l'époque c'était sympa. Je cours. Non, ça passe. Ah, quand ici ça passe mieux, je trouve.
Ouais, je pense qu'il va falloir que je passe la vidéo d'introduction d'un MXS Rank. Il y a trop de nouveaux. Je vais vous la passer après la course si jamais vous voulez. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai mise. Non, se touche. Ah, sous droit, mon gars. Tellement la scrub celle-là, sinon tu montes tellement haut. C'est impossible de monter sur cette piste tellement tout le monde roule vite quoi. Oh, je suis loin. Oh, je suis à côté. J'ai arrêté la guette, je suis sûr. Non ? Non, ça va. Toujours P5, hein, j'aurais fait que des P5 ce soir. Je sais pas si tu peux taper un autre joueur là si tu passes en même temps. Aussi une différence de niveau. Si l'un passe au-dessus de l'autre. J'ai quand même mieux les sauts là, hein, que tout à l'heure. C'est quand même plus agréable à voir, je pense. Merci à MXVRG pour ton follow, merci à toi. Kilian Gaming aussi, merci à toi. Merci à vous deux. Grand long. Pas grave, ça passe bien aussi, hein. On passe pas loin quand même, hein. J'arrive pas à rattraper devant. Ouais, je vais le rattraper là. Non, je fais de la merde moi aussi. Ah, dommage. Il sera du Morat. Ah, j'osais plus la scrub celle-là, mais c'est, je l'ai de nouveau bien. Oh, sérieusement, des fois j'ai ça que je comprends pas quoi.
Pourquoi on perd les pieds comme ça? Non, il n'y a pas de jeu de moto gratuit sur PC. Non, Zadar, je suis à 100% sur Internet. Donc YouTube, Twitch, MXB Server, MXS Rank. Et voilà. Je suis à plein temps sur mon activité Internet. Auto-entrepreneur. J'entreprends plein de choses. Il est super dur qu'il y ait le jeu. Super, super dur. C'est qu'on n'a pas l'impression en me regardant, mais... C'est quand même sérieux. €42. Écoute, le jeu. Point d'exclamation MXS. Du coup, pour ceux qui se demandent ce que c'est MXS Rank, MXS Rank, c'est ça. Ah merde. C'est pas ça que je voulais faire. MXS Rank, c'est ça. Bienvenue sur MXS Rank. MXS Rank est un système compétitif innovant pour MX Simulator. La compétition n'est plus à une date donnée, mais 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour ce faire, chaque joueur dispose d'un score reflétant son niveau. Ce score est le Elo. À la fin de chaque course, en fonction de leur position, le Elo de chaque joueur augmente ou diminue. Tout dépend devant qui ils finissent, mais aussi derrière qui. Donc chaque place compte. Afin de varier les plaisirs, les tracks du serveur changent toutes les semaines et sont choisis parmi ceux qui ont reçu le plus de votes sur le site. Quel est mon but ultime? Avoir le Elo le plus élevé et décrocher le grade légendaire sur MXS Rank. Grade légendaire qui n'est plus le dernier grade hein, d'MXS Rank. Maintenant, il y a des grades Master et, maintenant, on est au-dessus. Mais voilà, pour ceux qui se demandaient ce que c'était MXS Rank. Ça fait une semaine que je joue, j'arrête pas de piquer du nez, je comprends pas. Tu peux me mettre en arrière sur l'appel. Mets plus de gaz, enfin, lâche les gaz dans l'appel et tu remets un coup en haut. Tu verras que moi je le fais souvent en fait. Instinctivement, je le fais souvent et. La vidéo date de la création de MXS Rank, mais en soi, c'est toujours le même principe. Faut rien. Ça a rien changé. Le doubleur de la vidéo, c'est. Super Flame sur YouTube. 42€ le jeu, Tom. Transformation MXS. Toi, moi, si je lâche, je fais rien, je pique de l'avant aussi. Hein. C'est juste que je remets un petit coup de gaz en haut pour restabiliser. Bah, c'est pas un gaz, je l'ai payé pour avoir sa voix donc. À partir du moment où tu payes la personne pour... Je sais pas si on peut appeler ça un guest. Mais il a un site où tout le monde peut acheter sa voix, peu importe qui t'es, quoi. Tu payes ses homo, comme sur tous les trucs de, de voix off. Et voilà. D'ailleurs, c'était pas donné son truc. Mais bon. Ça me faisait plaisir que ce soit lui qui fait face sa voix. Oui, va, si tu restes full gaz, c'est pour ça. Parce que du coup, rester full gaz, c'est comme si t'avais pas de gaz. Et du coup, tu vas piquer de l'avant. Surtout si t'es full gaz et t'es en rupteur. Mais tu vois, faut que t'arrives en haut du saut. Hop, et tu remets un petit coup de gaz juste pour stabiliser et ça passe. Mais voilà, en gros. Les astuces d'MX, il est quelle heure? 22h36, 37. Bon, on va s'arrêter là, je pense.
franchement, avant de te regarder, j'aimais pas les jeux de moto cross, mais maintenant que je te regarde, je kiffe trop. Bah merci Florent, ça fait plaisir. C'est un des meilleurs commentaires que tu peux me dire. Merci beaucoup de t'avoir fait découvrir tout ça et c'est cool. La chaîne du doubleur, Super Flame. Donc super, espace flame, flamme en anglais. On va regarder le Hello qu'on a pris, mais je trouve qu'on n'a pas pris grand-chose. On n'a pas fait des courses de ouf ce soir. Loading bike. Bonne soirée Samonette, à demain. J'espère te voir demain soir, même demain après-midi, si jamais t'es dispo, n'hésite pas à passer. Still waiting on 76. Ah ouais, je sais pourquoi ça reste à plusieurs fois de voix. Non, je live pas tous les jours, Florent, je live tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h30, 23h. Et en plus de ça, maintenant en ce moment, parce qu'il y a les courses, donc le jeudi de 15-16h à 18h pour les qualifications. Et le soir à partir de 21h, il y a la course. Donc demain soir, je serai de nouveau en live pour la course. Hein, c'est parce que le deuxième rejoint le pro, tu crois? Normalement, ça restart pas. Bon, je suis bizarre, je sais pas. Ouais, Vanador, yo. Et du coup, on a pris moins 14 de l'eau. Nice. Mais on a quand même pris des points parce qu'on a commencé plus bas que ça. On finit à 1770 de Elo, donc c'est pas si mal. Sur ce, bah moi j'espère que bah vous avez kiffé ce petit live. C'était bien sympa, moi j'ai bien aimé. On a bien joué, on s'est bien amusé. Et voilà, je vais voir s'il y a du monde à host, je sais pas. Peut-être qu'il y a Kevin, peut-être. Est-ce qu'il y a du monde à host? Si jamais vous avez quelqu'un à host, n'hésitez pas à me proposer aussi. Mais je crois Quoique. que. Ouais, il y a Kevin, donc on va host Kevin tout simplement. Red meilleur MTB. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne de Kevin si jamais vous voulez rester un peu sur Twitch. Puis nous on se donne rendez-vous demain à 15h je pense pour les qualifications de Rice Factory. C'était Mixway. Ciao. Bye bye.